On va jouer E4. Et on joue contre Five Warnim. Ok, on fait face à la Sicilienne. Donc la Sicilienne, je vous ai déjà montré des plans sur la chaîne avec la lapine. On regardera, je pense que à ce niveau, c'est quand même le plus simple. Je vous ai déjà fait des attaques grand prix. J'essaye de réfléchir. On va essayer ce système qui est assez sympathique, voire même B4 et peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de nouveau que vous n'avez jamais vu? Allez, on va jouer B3. On va jouer B3, c'est un système assez intéressant, surtout pour jouer contre les joueurs de Fianchetto. Ça leur fait un peu peur. D'habitude, vu qu'ils jouent la dragon, des choses comme ça, ils aiment bien mettre le fou en Fianchetto. Et ce coup-là, ça peut les embêter un petit peu. Alors, ça va dépendre quel type de joueur. Donc là, ils jouent très bien hein, dans cette position. Nous, on va jouer le fou en B5. De mémoire, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et on va voir. On va voir, le fou est quand même très fort ici. Donc là, je me demande déjà où mettre le cavalier, si en E2, en F3, dans ce type de position. Alors, de mémoire, je pense qu'on va essayer de jouer avec F4, c'est normal. Donc plutôt cavalier E2, je pense. Ça va, à part que le cavalier va venir en D2, un de ces quatre, je suis en train de regarder quel intérêt. Non, plutôt, allez, E2. On va jouer plutôt E2 dans cette position. On va roquer. On va jouer avec D3. On met tous les pions sur blanc. On va perdre le fou, malheureusement. Mais c'est un petit peu l'idée. Comme ça, le cavalier vient pas nous embêter sur la case D4. Là, on va jouer tout simplement. Alors, on pourrait jouer même cavalier C3 hein, pour défendre. Je suis en train de penser pour éventuellement jouer avec D4. Ce qui serait pas bête, en fait. Et d'ailleurs, jouer avec grand roque aussi. Il y a des idées. Alors, on va jouer cavalier C3. Ça paraît quand même plus normal comme coup qu'à C3. On sort une pièce plutôt que D3 et comme ça on se laisse la possibilité de jouer D4 et sur pion prend, cavalier prend D4, éventuellement dame D3. Il y a des idées grand roque qui peuvent être intéressantes. Alors là, c'est cool ça. C'est cool ça parce qu'il pense que momentanément il peut ouvrir cette diagonale mais joue, on attaque la tour. Alors il peut peut-être prendre, on prend ici et ensuite essayer d'enfermer le fou mais on mangerait celui-ci. Donc ok, là c'est plutôt pas mal. Cavalier là, ça serait très moche, je trouve. Parce qu'on vient prendre prise et la structure des blancs, voilà, des noirs est pas belle. Et E5, c'est plutôt cool aussi pour nous parce que maintenant on va avoir le levier F4. Donc là maintenant on peut peut-être petit roquer. Et surtout le cavalier est très bien placé ici. Alors on peut jouer cavalier là, je suis en train de voir, mais ça bloquerait le fou. Là il veut peut-être prendre prise et ce pion là sera faible. Donc là j'ai du mal à prendre une décision. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Ça paraît bien pour les blancs, mais je ne suis pas expert du système, donc c'est pas grave. On va essayer de. Ok, on va prendre un petit moment pour réfléchir et calculer. Quand on sait pas, c'est bien de calculer un peu et on va voir cavalier là. Sur cavalier là, il y a mat. Donc en fait, il peut pas vraiment attaquer le cavalier. Donc il peut jouer cavalier là. Mais sur cavalier là, cette fois-ci, on aura du F4. Et sur fou prend, du cavalier prend, du prise, du pion prend, du fou G7, du petit roque, du dame E7. On n'a plus trop de pièces mineures dans cette variante. Mais revenir en arrière, c'est pas la joie. C4, ça donne la case D4, mais il a plus trop de cavaliers pour y accéder. Peut-être que C4 peut être une clé quand même hein, dans cette position. Donc C4, fou prend, pion prend, F5, F4. Pas clair non plus. Allez, on va jouer cavalier là. C'est peut-être pas l'idéal, mais quoique il y a B5 pour jouer B4. Ça, j'aime moins, vous voyez. Bon, on va roquer. Désolé, j'ai beaucoup réfléchi, mais finalement, on va roquer. On se développe, on va essayer de jouer F4 vite. Et s'il prend prise, on jouera C4. Pas très grave. Voilà, il a joué fou G7, ce qui est bien parce qu'on peut envoyer du coup F4 vite, ce qui était mon idée. Donc l'idée de développer, vous voyez, tout ça pour finalement juste jouer un coup normal. Et F4, idée gambiroi un petit peu d'ailleurs, dans l'esprit. E4, F4, on va mettre la pression, éventuellement pousser jusqu'à F5, selon ce que vont faire les blancs. Donc là, le cavalier serait mieux placé en F3, hein. Mais il peut peut-être venir en G3, mais ouais, il n'a pas de bonne case, donc faut voir.
Ok, il a décidé de prendre. Donc là, il se retrouve avec le pion cloué. Donc là, ouais, le cavalier serait vraiment mieux placé ici, hein, 1000 fois. Et là, il donne un pion, vous voyez, crac. Donc tant mieux pour nous. Il y avait trop de pression. Alors, pion prend, il y a peut-être cavalier prend. Et ensuite, le pion restera cloué. Intéressant ça. Il n'est peut-être pas si craqué si vite que ça. Mais on pourra jouer C4 D4 quand même, hein, où on va mettre beaucoup de pression. Alors c'est des parties difficiles, hein, je suis en train de me rendre compte. Là, c'est pas si facile que ça. Allez, on va prendre et on va jouer l'activité. Là, il devrait prendre, hein. S'il prend ici, il va avoir un gros problème avec fou prend E5. Et c'est des parties très tactiques, quoi. On a un joueur qui joue bien là. Franchement, c'est une belle partie de sa part. Faut dire la vérité. On peut le saluer. Il fait une très belle partie pour le moment. Il se bat bien. J'ai envie de jouer D4, mais ça a l'air d'être favorable pour lui, hein. Cavalier B4, D4. Il joue très très bien. Parce que sur D4, il va prendre prise, dame prend, et je vais me retrouver avec le fou faible du coup. Et là, il a réussi à faire que mon fou ne tape plus, et c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est pas facile. Et là, il menace cavalier D3 aussi. Donc, on commence même à avoir des petits soucis, je suis en train de voir. C'est pas facile à gérer cette position. Allez, on va jouer quelque chose de tactique. On va continuer à mettre la pression D4 et l'idée c'est que s'il prend, on va jouer D5 et le cavalier n'a plus de case. Du coup, on va essayer de lui planter un petit A3. Et en même temps, il a pas roqué. Maintenant, c'est mon fou qui va taper plutôt et qui va être actif. Vous voyez, j'ai un peu troqué le truc. S'il fait pion prend, D5. Vous voyez, je dois jouer à un niveau assez élevé. Donc là, l'ouverture est plutôt pas réussie. Il faudra qu'on l'analyse un petit peu. Donc D5. Donc là, j'ai un pion de moins. Mais maintenant, c'est mon fou qui est actif. Donc derrière le pion. Et il s'est pris la tactique que je voulais qu'il se prenne. Le cavalier n'a plus de case. Donc il a fallu vraiment que je puisse dans mes ressources. Mais toujours rappelez-vous à essayer d'avoir des positions saines, actives, hein. C'est toujours plus facile que les positions passives. Comme j'avais calculé avec des prends E5, vous voyez, les dames s'échangent, le cavalier était monstrueux, il a des bonnes cases d'entrée, le fou aussi aurait été très fort, tapant sur E5, mon fou passif, du coup, là c'est l'inverse, c'est les noirs qui doivent défendre leur trésor en E5, pas l'inverse. Et là finalement, il a cédé, il a joué petit roque, il va se retrouver avec la pièce qui est mauvaise. Mais ok, très belle partie pour le moment, donc là on a une pièce de plus. Ok, donc là il veut jouer avec F5, il faudra arriver à mettre un cavalier ici ou ici. Sur ici ça va être difficile parce qu'au prochain coup F5. Il faut faire attention de ne pas perdre ce pion. Donc on va faire comme lui, on va jouer... alors dame là, il y aurait des idées avec E4. Donc peut-être dame là plutôt. On va jouer... c'est plutôt logique, comme ça on vient défendre notre pion avec une tour par exemple. On lit les tours, c'est plutôt normal. Je vois pas vraiment de réponse active. Une position encore un peu solide. Tant qu'il aura ce coup F5, ça restera relativement solide. D'ailleurs, j'aurais pas pu prendre de la dame ici. Ouais, là, j'ai joué un peu vite. J'aurais dû échanger les dames en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai fait une petite erreur. Donc là, on va jouer tour D1. Cette tour qui n'était pas active, on la met ici. Bon, elle n'est pas ultra active, mais bon. Si par contre, on arrive à caler un cavalier là ou là, là, ça va faire mal pour lui. Donc comment on pourrait faire ça? Bon bah on va mettre le cavalier là, hein. De toute façon on vient défendre, là ça vient forcer F5. On va jouer A4 pour empêcher B5, ce qui est plutôt une bonne chose, et peut-être qu'on peut jouer un coup comme cavalier là, cavalier là, cavalier là. Bon là il craque. Alors il nous donne le pion, on lui donne le pion, mais... Encore une fois on va jouer avec l'activité. Alors il se bat bien, hein, notre adversaire, je suis en train de regarder. Cavalier là. Dame prend, tour prend. Tour prend, tour prend. Cavalier échec, fou prend, on mangerait le fou, mais à la fin il a échec. Donc tour F1. Tour là. Ouais, cette finale avec la pièce de plus, ça a l'air d'être vraiment très facile à jouer. Ouais, pas si clair, hein. Quand même 3 pions pour la pièce. J'ai que 3 minutes. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il va pas nous déloger le cavalier.
peut même jouer G4 pour empêcher F5, pour jouer cavalier E4 dans quelques coups, mais c'est un peu risqué quand même. Allez, vu qu'on aime le risque, on va le faire. Vu qu'on aime le risque, on va le faire. Parce qu'en gros, ça ouvre un peu les lignes du roi, mais avec une dame en G2, un roi en H1, normalement, ça devrait le faire quand même. Enfin, le roi, il n'est pas plus en insécurité que ça. Et c'est vrai que F5, ça fait peur quand même. Ça fait un peu peur. Donc, ok, on va jouer, ouais, plutôt dame G2, dame F2, ça fait quand même très peur de se mettre sur cette diagonale avec la dame. Et au prochain coup, cavalier E4. Alors là, il va sûrement bouger la dame en fait, ce qui est pas bête maintenant que j'y pense, puisque si on joue cavalier là, il pourra jouer tour prend. Mais là, on aura tour prend et cavalier F6. Est-ce qu'on prend d'abord? Non, on va pas prendre. D'abord, on va laisser ça. S'il veut prendre, on prendra. Sinon, on jouera à 4. Parce qu'on va pas lui laisser des cases ni des colonnes pour se mouvoir. Mais j'ai été bête, j'aurais dû échanger les dames, je pense. Ça aurait été un peu plus simple. Donc là, on va essayer de faire jouer ce fou. Et pour faire jouer ce fou, il faudrait liquider celui-ci. Donc on va faire. On va faire mais ça. Ah! Donc là, il veut jouer C4 pour s'activer sur notre roi. Donc on va pas le laisser. On va jouer roi là, tout simplement. S'il veut prendre ici, on prendra ici. Et puis on prendra aussi ici. S'il veut prendre ici, on aura tour prend, cavalier échec, fou prend, dame prend. Oui, donc ça marche pas. Hein. J'avais bien calculé. Tour prend et sur tour prend, la dame est très bien placée. Et donc on peut jouer cavalier F6 dans cette position. Et on vient gagner la qualité. Et vu qu'on a déjà une pièce de plus, ça fait une tour de plus. Ça commence à être énorme là, niveau matériel. Donc ça devrait vraiment très bien se passer là. Hein. Et en plus, le fou sera cloué. Voilà. Donc un fou qui joue pas en plus. Hein, qui est vraiment mal placé. Allez, on menace même G5. Pour aller manger le pion F7. La dame est monstrueuse au centre. Et regardez le roi, on avait l'impression que ce coup G4 pouvait lui poser des problèmes. Mais il est très très safe hein, dans sa position là. Et la dame est vraiment monstrueuse puisqu'elle va défendre jusque même. Plutôt même prendre en E5, vous voyez. Il faudra faire attention à la promotion. Mais là, le fou et la dame est tellement impérial. Et une de ses idées, c'est que s'il prend, en fait, c'est mat en 2. Dame prend et dame F8 mat. Donc bon, fou prend aurait été. Je prends pas de risque. Mais là, fou prend E5 est vraiment très joli parce que le fou est cloué et à cause de dame prend F7. Donc là, on menace tout simplement tour prend. Même sur A2, en fait, on peut faire, je pense, tout simplement tour prend puisque le fou est impérial sur cette diagonale. Il contrôle la case. Donc il n'y a pas vraiment de souci. Ah, c'est trop trop fort là. Fou prend E5 avec impossibilité de prendre. Donc là, le fou est vraiment fort. Ok, c'est une belle partie. Ouais, il essaie de se battre comme il peut, mais lui, il n'a pas d'échec, donc on va prendre, tout en menaçant nous-mêmes un échec. Et là, c'est mat. Hop. Et au prochain coup, prise. Ah bon, mais ouais.